Thank you very much for the invitation. It's very exciting to be here. I want to stress a few differences in the from a German perspective. I share most of the issues mentioned, but there are maybe a few things worth mentioning. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je me concentrerai moi plutôt sur les différences qui existent entre les systèmes, et je vous donnerai plutôt le point de vue allemand. Je partage énormément de ce qui vient d'être dit, mais j'aimerais rajouter quelques éléments d'information. So, Germany has a federal system and education. And that includes universities, is under the responsibility of the German region, the Bundesländer. That means that there are 16 different systems, which are maybe not too different, but the financial situation is different, the salaries seems differ, and also the party which are responsible for the politics in that region differ. Donc l'Allemagne est un pays fédéral et donc notre système est fédéral également. L'éducation qui regroupe donc également l'université tombe sous la responsabilité des régions allemandes. Il y a donc 16 systèmes différents en Allemagne, 16 systèmes différents et donc des différences de salaire, des situations financières différentes d'une région à une autre, des partis politiques responsables différents également. There's a rule of thumb. The federal government has money, the regions don't. And the regions don't mind the money from the federal government, but they mind the federal interferences and interventions. So, yeah. Donc on a tendance à dire que le gouvernement fédéral a les fonds, a l'argent, que les régions n'ont pas d'argent. Que les régions veulent bien de l'argent du gouvernement, mais par contre ne veulent pas de son interférence. The tuition to study in Germany is free. There are no tuition fees. Some regions tried to implement fees a few years ago, but that failed also because of massive protests from students at that time. En Allemagne, l'université est gratuite. Les régions ont bien tenté d'instaurer des droits d'accession aux universités, mais cela a été un échec, notamment à la suite de luttes étudiantes importantes. Okay, what happened since the 80s? Blame it all on Bologna. There were problems before Bologna, and not everything newly installed is there because of Bologna. Qui s'est-il passé depuis les années 80? Est-ce que tout est de la faute du processus de Bologne? Il y avait déjà des problèmes avant Bologne et tout ce qui a été fait par la suite n'est pas forcément lié directement au processus de Bologne non plus. Bologna is used as an excuse or as a threat or as an explanation for reforms that were on the agenda anyway. Okay. Since the massive expansion of the university system in the 70s, like everywhere in Europe, the German system was underfinanced, even by the standards of that time. Alors, le processus de Bologne, en fait, sert d'excuse, il sert de menace, il sert d'explication pour des réformes proposées. Il y a une véritable expansion du système universitaire en Allemagne depuis les années 70, comme c'est le cas également dans d'autres pays européens. Et ce système est sous-financé. The expansion and rising number of students was in the 70s seen as temporal. And it was seen as a Studentenberg, a mountain of students. But the solution to cope with that was not to extend or enlarge the system with more money, but to change the calculation scheme.
cette augmentation du nombre d'étudiants, cette expansion du système à partir des années 70 a été considérée à l'époque comme un phénomène temporaire. On parlait d'une montagne d'étudiants. La solution que nous avons trouvée, ce n'était pas de rajouter des fonds, de donner des financements supplémentaires, mais plutôt de changer la méthode de calcul. The teaching capacities were expanded not by hiring new more staff, but by letting the staff teach more students, so very easy. The hope was to tunnel the mountain and so that the system would be ready for the expected decline of student numbers in the 80s. But as we all know, this decline never came. La solution n'a pas été de donner davantage d'enseignants à ces universités, mais plutôt d'affecter davantage d'étudiants aux enseignants existants. On a préparé le système à un déclin de la population étudiante à partir des années 80, déclin qui n'a jamais vu le jour. Okay, but to be fair, the again massive increase in numbers in the last decade was met with new financial means. So there is more money for more students now, but the ratio is still the old one, that means the underfinanced one. Il est vrai que l'augmentation de la population étudiante ces 10 dernières années s'est accompagnée d'une augmentation des moyens financiers. Il y a eu donc davantage d'argent et aussi davantage d'étudiants ces 10 dernières années, mais nous n'avons toujours pas retrouvé une situation d'équilibre. The increase in the last decade led to more diversity and more and new needs from the students. So teaching quality became an issue, and this was also an unwanted or maybe wanted consequence of Bologna. L'augmentation de la population étudiante ces 10 dernières années a eu comme conséquence une augmentation de la diversité de la population étudiante, mais aussi une augmentation des besoins des étudiants, ce qui en conséquence a eu pour résultat en fait un problème de qualité de l'enseignement, en tout cas un déséquilibre entre les attentes et l'offre offerte par les universités. Because of Bologna, studying became more structured, more formalized. But with that, that shed more light on structural deficits of the whole system. In the good old bad old days, failure was individualized. And dropping out was your problem, not the problem of the system. Le processus de Bologne a renforcé la structure du système, a formalisé le système et a aussi mis en exergue ses déficits. Le système est devenu de plus en plus individualisé. Lorsqu'un étudiant échouait, c'était véritablement son problème et non plus le problème du système. And even more, the universities chose that way to reduce the number of students in those days. Faculties who took too many students, they saw too many students. They were implementing maybe an exam, a very difficult exam in statistics or mathematics after 6 months or 1 year. And then many students failed and then they dropped out. Pour tenter de réduire justement la taille de la population étudiante, les facultés qui avaient admis trop d'étudiants mettaient en place des examens extrêmement difficiles après 6 mois, 1 an, des examens en statistiques, en mathématiques par exemple, pour essayer de faire partir les élèves. So that cleared the field, but today university will offer extra classes in mathematics and other difficult subjects to prevent students from failure. Because failure, and this is also neoliberalism, is regarded politically as a waste of public money. Alors, c'était une solution. C'est vrai que ça a permis de réduire le nombre d'étudiants, mais à l'heure actuelle, des cours de soutien sont donnés aux élèves pour justement surmonter leurs difficultés dans des matières complexes, pour éviter l'échec, car c'est bien le signe du néolibéralisme. L'échec est un gâchis
d'argent public. So the culture of teaching has changed, and maybe it's now better than before, but the new culture is based on mostly non-permanent teaching personnel and increasing precarious employment. La culture de l'enseignement a donc changé. Peut-être que cette culture est meilleure, mais elle est basée sur un personnel enseignant qui n'est pas permanent et sur des conditions d'emploi de plus en plus précaires. The biggest increase among the personnel is the number of Lehrbeauftragte. These are lecturers hired for one class and one semester, and they get 600 to 1,000 euros for this whole semester. On observe une forte augmentation du recrutement d'enseignants, on va dire temporaires, qui sont recrutés pour un semestre, pour enseigner une seule discipline, pour un salaire de 600 à 1000 euros pour l'ensemble de la durée de leur contrat. The German academic system is centered around the professor, and by the logic of the system, they are the only ones with a permanent position. The others are regarded as junior scientists on the career path to the professorship. Le système allemand est vraiment concentré sur le professeur, seul poste permanent à l'université allemande. Les autres sont considérés comme des juniors qui sont en route pour devenir professeurs. So that means that most of the positions in the German system are non-permanent, and that leads to a high insecurity for the teaching and research personnel. And even the ones who get to the professorship one day, this crucial moment comes at the age of whatever, end 30s, early 40s. So we are facing a system which is highly unfair and unstable to young and not so young academics. Il y a donc une majorité de postes non permanents, ce qui cause une insécurité de l'emploi considérable dans l'enseignement et dans la recherche. Ce fameux poste de professeur est atteint vers l'âge de 40 ans et cela crée une situation extrêmement injuste pour les salariés de l'université. So let me finish here and my colleague will continue.